Bonjour Mutulussa, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui, je suis là pour faire un énorme book haul depuis le fait que je ne suis plus venue ici. Ça fait depuis mars, j'ai plus fait de book haul. Du coup, il y a pas mal de livres à vous montrer. Je crois qu'il y en a qui a été déjà montré, mais j'ai des doutes. Du coup, je vais quand même vous montrer. Et du coup, ce sera mars, avril, mai. Et un peu de ce mois-ci, juin. Voilà, du coup, je vais vous montrer tout ça. Oh, je vais pas détailler les quatrièmes de couverture parce qu'elle va être très longue, il y a pas mal à vous montrer. Je serai désolée, mais je vais devoir couper de temps en temps la vidéo parce que je les remettrai parce que j'en ai tellement et que je vais plus savoir où je les ai rangés. Du coup, je ferai une pause et j'irai les déposer directement à leur place. Voilà, sur ce, on commence tout de suite avec une grosse palle qui est à côté de moi. Du coup, on commence avec celui-ci que je me suis pris roman antique de Natacha Piroge. Je crois que ça se prononce comme ça. Et c'est Edix, je sais pas le nom. Voilà, il me tente beaucoup. J'ai le marque-page avec. Voilà, et toujours pas lu, mais j'espère les lire. On dit toujours comme ça. Je me suis pris celui-là, il me tente beaucoup. Le pont des tempêtes de Daniel Elgeson chez Brajeune. Il est trop beau celui-là. C'est un toc-toc. Je ne vais pas vous tout découvrir parce que vous l'aurez déjà vu un peu passer partout. Puis tout est magnifique dans ce livre. Je vais peut-être un peu vous descendre. Comme ça, je vais vous montrer. Tout est magnifique dans ce livre. Là. Voilà. Même le. Voilà, vous l'aurez vu passer partout. Oh non, oui, il m'en manque un. Je sais ce qui me manque. Du coup, après, je me suis. J'ai tout qui va se casser la pipe sur mes jambes. Je me suis pris, bien sûr, au bout du rêve, un Twisted Tale que j'ai toujours pas commencé. J'en ai lu qu'un. Mais je les ai tous. Tous ceux qui sont sortis, je les ai. Voilà. Après, je me suis pris Love no on Note de Sona So. Je ne sais pas quoi. Voilà, il me tente bien, mais j'ai pas vu des bons avis. Du coup, ça me fait un peu peur. Celui-ci, j'entends que des bons avis, mais il est toujours de ma palle. Ouais, ça me. Voilà. Père, je vais vous laisser lire la quatrième. Enfin, le nom de Lila Marche. J'ai entendu que du bon, du bon, du bon. Du coup, il me tente beaucoup. On va remettre là. Je vais remettre ça après. Après, je me suis pris celui-ci. J'aime beaucoup. J'ai du Plume du Web, Sanglante Éternité de Océane. Non, c'est Gérard, je sais pas quoi. Il est trop beau. Je ne sais plus. J'aime bien les petits couteaux. Voilà. C'est un peu horreur, si j'ai bien compris. Livre déjà sorti. Non. Et je pense qu'il y a même des. Ouais, il y a de la violence, du meurtre et des crimes, relations toxiques et assistance sexuelle. Agression sexuelle. Je viens de finir mon. Je suis en formation, vous savez. Et voilà. Et puis, je vais vous montrer, mais j'ai le tome 1, 2 et 3. Voilà. Oh, ça parle de petite sorcière, ça. Sarah Sarowska, tome 3. Tome 2. Elles sont trop belles les couvertures. Tome 1. J'aime beaucoup celle-là. Elle me fait penser un peu à. Je ne sais plus comment son nom, mais c'est de Elodie Delphonse chez Alster. Je sais pas le nom. Et j'avais rencontré l'autrice au salon. Je crois que ceux-là, vous les avez vus. Ouais, au salon, j'ai les dédicaces dans les trois. Je reviens, je mets vite ça en place et je reviens. Revoilà, je me suis pris aussi Tabarnak de l'aventure continue de Natacha Piroge. Voilà, j'ai aussi la dédicace. J'ai eu des petits goodies, j'avais pris la box. Mais je ne sais plus ce que j'ai eu comme goodies, du coup, voilà. Oui, mon chat. Après, on va montrer ce que j'ai dans le sac ici.
Celui-là, il est énorme. Je me suis bien surpris. Par contre, là, vous avez plus de lumière. C'est chiant, les lumières. Je me suis pris aussi. Qu'est-ce qui reste de nous de Erika Boyer chez Hugo Boss. Voilà. On va essayer de se le lire. Un petit manga. Un petit manga. Un gros bébé. Le loup dégoûte de l'agneau. Voilà. Je peux pas trop vous montrer des dessins. Voilà, je peux montrer un peu les visages. Voilà, mais je peux pas tout vous montrer parce que c'est un. Ouais, il y a du. Je ne sais plus. Ouais, je peux pas trop vous montrer. Voilà, après, je me suis pris des belles éditions. La nuit où les étoiles se sont éteintes de Albert Michel, de Nina Grenan. Voilà, il est trop beau. Regarde, je sais pas si on va le voir. Les petites étoiles. Tout est magnifique dans ce livre. Enfin, tout est magnifique. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. C'est juste des petites étoiles. Voilà. Mais une bonne. J'avais envie de me prendre, du coup, voilà. Je me suis pris aussi. Celui-là, j'ai peur de le lire. Je ne sais pas pourquoi. La fille de la déesse et de la lune de chez Desac. C'est chez la nouvelle édition de chez Hugo. Voilà, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Tout est magnifique. C'est des éditions qui coûtent un peu cher quand même. Voilà. Après, j'ai l'amoureux, les amoureux de Monster. Monster Cat chez Hugo. Façon, vous voyez bien. J'ai pas fini, hein, je vous le dis. Hein. Chez Jojo, c'est un peu hiver ça, mais il me tente beaucoup aussi. Après, j'ai encore un sur. Ah, ben celui-là, normalement, c'est le tome. Ouais. Bon, c'est pas grave, il y a le tome 2, le loup des millénaires. C'est le tome 2. Regardez ses yeux. Voilà. Il y a le tome 1, mais. C'est le tome 2 que j'ai pris. Je me suis pris. Ah oui, celui-là, il faut que je le sorte. Cruelle Revanche. Je crois que c'est celui-là que je vais lire après. J'ai vu l'autrice. Hop. Et des petits goodies. Voilà, j'ai des petits goodies. Je crois que c'est celui que je vais sortir après pour lire. Dans les yeux. C'est aussi dans le salon. J'ai vu l'autrice. Voilà. Après. Wolfgang. Aussi, j'ai vu l'autrice. Et j'ai des petits j'ai une marque-page et des petits goodies, des petits autocollants. Après, ça c'est la même autrice, c'est j'ai Perle, c'est ça, Perle d'Océan. Ils sont trop beaux. Là aussi, c'est la même que l'autre, la dédicace et plein de petits trucs avec un qui était offert. J'ai un doute pour le lire. Royaume Rendez-vous. Je sais pas. Du bas. Du bar. Enfin voilà. Celui-là par contre il n'est pas dédicacé. Et c'était les premiers qui passaient commande qu'il avait. Et c'est le dernier, il n'existe plus. Voilà. C'est un vieux bazar. On va dire ça. Celui-là aussi me donne envie, je cite avec les deux. Du coup, il y a Drake-moi si tu peux. Z Max J Telica. Je sais pas comment ça se traduit, c'est Plume du Web. Non, c'est Blacking. Blacking, je suis bête, c'est Blacking. Ouais, la plupart du truc que je vais montrer, c'est du Blacking. Ah oh, oui, il y a celui-là qui me donne aussi trop envie, je sais pas. Ouh, je sais pas, j'hésite maintenant. Me fuis pas. Enfin, peut-être pas à dire celui-là maintenant. Parle de la musique. C'est chez Blacking aussi. Il me tente beaucoup aussi. Je sais pas, on va voir. Je vais les mettre parce que ceux que j'ai envie de lire, je vais les mettre de côté.
je sais plus, il y a désir, désir, où tu es. Voilà. Elle aussi, je crois que la dédicace. Voilà. Mais je ne sais plus si je dois lire un avant. J'ai aussi trouble. C'est trouble, trouble moi. Voilà. Là aussi, j'ai la dédicace. Et le marque-page qui est plus loin. Hop. Hop. Celui-là aussi me tente bien. Après, il y a celui aussi French Touch. Il est beau aussi celui-là. French Touch, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Du coup, je remets ça dans le sac et je vous reprends. Je suis de retour. J'ai oublié de vous montrer le loup et des millionnaires, le tome 1 que j'ai. Ah, c'est les marque-pages. Ouais, c'est un marque-page. Hop. Voilà, je vous l'ai montré. Il faudra que je le remette là-bas. Après, oh purée. Un manga. Je me suis pris celui-ci. Par contre, je vais pas vous parler de le titre. C'est le truc de Blanche-Neige. En ce mode silencieux aide la beauté complète. Celui-là, je vais le sortir pour le lire bientôt. Voilà. Je me suis pris aussi le retour de la protégée Mission Yuk chez Black Ink. On voit pas trop bien. La couverture est fort sombre. Voilà. Il faudra que je le remette aussi avec le loup. Je me suis pris la romance de ma vie, tu parles. Franca Anache. Voilà. Il a l'air pas mal aussi. Après, un petit manga, olé olé, mais je ne vais pas vous montrer les dessins. Déjà, avec la couverture, on comprend déjà. C'est un gros bébé par contre. Celui-ci par contre, je n'oserais... Non. Je peux rien vous montrer, c'est très olé olé. Celui-là aussi, il va passer à la casserole. Je me suis pris aussi... Cet été ou jamais de Natacha Pirouge, la dédicace. Hop. Voilà, il me tente aussi de lire. Beaucoup, je lirai cet été. Après des merveilles que je crois que je vous ai montré, mais j'y manque deux, je crois. Enfin, soit. Je me suis pris. Il est grand. Hein. Les Myrem, les jeunes. Enfin, vous voyez. Chez, je sais plus, Héron d'argent. J'ai commencé à lire. Il faudrait que je le continue. Les légendes. Les légendes, c'est sélectique. DS et machin truc. Et j'ai eu... Il faudrait que je regarde ce que j'ai pas. De là. J'avais eu un petit portrait gratuit. Voilà, ça c'est fait. Je me suis pris celui-ci. J'hésite à le lire là. Voilà, ça a l'air un peu Peter Pan. Mais je sais pas. Wanket. Bon, bien si c'est pas du film. La métamorphe de Karat. Je sais pas, j'ai un doute quand même. La première vue, Kara semble être un adolescent ordinaire. Pourtant, il cache un incroyable secret. Il est un métamorphe, mi-puma, mi-humain. Facile par la ville, Gara a quitté sa famille de ses montagnes pour rejoindre les hommes. Mais sa nouvelle vie se révèle dévertante jusqu'à ce qu'il intéresse Klawake, un pensant pour être comme lui, il devrait être ami avec Wally. Et les écureuils roux offrent à Brandon un bisou timide. Dans le monde où la loi de la jungle s'applique aussi chez les animaux que chez les humains, Kara, qui peut survivre, devra prendre
une toute urgence, méfiance et apparence. J'ai Pocket Jeunesse. Il est trop beau. Et avec des petites pattes. Des petites pattes. J'hésite aussi. Hop, on va les mettre de côté. Les 3-4 livres que je veux. Ça, c'est fait. Ça, c'est les livres que je veux aussi lire. Alors, je me suis pris. Je vais vous montrer le tome 1. Par contre, je ne sais pas lire le nom. J'ai le tome 1. C'est trop beau. Le tome 2. Il va falloir que le seul coup d'un soir de ma vie soit nou mon nouveau patron. Et du coup, il y a, comme il dit, romance et regarde aux autres. Voilà. Et c'est chez. C'est ça? Addiction? Et j'ai le tome 2. Voilà. Je sais pas s'il y en a plusieurs. J'aime déjà beaucoup le rabat. Voilà. En tout cas, ce que je. Ils sont couleur, ceux-ci. Voilà. Celui-ci aussi, il va faire. Je vais essayer de me faire un week-end où je lis tous mes mangas. Celui que je viens de me procurer. Mais il est trop beau! Team Broquette List chez Plume du Web. Voilà, il est trop beau. Voilà. Avec. Ils sont. Allez! Un petit casque. Voilà. Celui aussi il me tombe bien. Après, je me suis pris celui-ci aussi. Voilà. Trou Color. Tome 1, j'entends parler de bons avis partout. Voilà, du coup, je me suis dit, je vais me le prendre. Je voulais vous montrer une image sans trop spoiler quand même. Voilà, c'est assez, mais il a l'air trop bien. C'est Elliot a un secret, il est incapable de rencontrer. Reconnaître les visages, pourtant il peine à son handicap, souvent un mal compris. Il a poussé à autiste des personnages qui perdent vie au bout de ses pinceaux. Ouais, c'est d'accord. En fait, il se souvient pas des visages, je me rappelle que j'en ai entendu. Il se souvient pas des visages et il est peintre. Et du coup, en plus, ça fait. J'en ai, jusque maintenant que j'ai lu, j'ai jamais vu des artistes se peindre. Pourquoi pas découvrir ceci? Ça va être très chouette à découvrir. Alors, il me reste plus grand chose à vous montrer. Plus grand chose. C'est un gros mot. Je vais vous montrer d'abord ce sac. Comme ça, c'est fait. Et je pourrais le ranger. Campus Baby, que je me suis pris aussi. De Tex Martin. C'est oh c'est et H oh c'est je sais jamais chez eux j'ai toujours Colline Harper Colline voilà après je me suis pris les deux beaux bébés Love and Drink ils sont magnifiques avec le marque Jaspage voilà. On n'a pas envie de les lire. Voilà. Après. Ah, mais oui, il est là. C'est ça que je cherchais. Je cherchais un livre qui est là. Je me suis pris celui-là aussi. J'ai pas la même autrice. Il est trop beau aussi. Le Jaspage. Voilà. Je sais pas si ça se lit indépendamment ou pas. J'ai aucune idée. Je me suis pris les 6 couronnes éclatantes. Il est trop beau aussi. Voilà. Un marche-poche bleu. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien de spécial celui-là. Ah, voilà. Hop. J'achète tout mon nez. Celui qui me donne aussi très envie d'éclat. Éclat dans dos. Voilà. Il est trop beau le marque. Voilà. Vous avez le tissu. Voilà. Et alors, vous avez aussi des pages. Bien sûr, je ne l'aurai pas. Pour les chapitres. Voilà. J'hésite avec ça aussi. Monsieur choisira. Après, il y a Il était une fois un cœur brisé. Oh, ma lunette.
est trop beau aussi. Là, il est rouge. Et là, il est rouge. C'est trop beau. Et là, vous avez la carte. Là, par contre, je ne le lirai pas maintenant. Il faut vraiment que je sois à ça. Et ça, c'est quoi? Ah ouais, et j'avais pris le troisième tome de la... De Jennifer à la main de Trout, couronne de d'os et d'or de celui des Saxus. Je l'ai même pas ouvert, je sais même pas comment il est dedans. Voilà, j'ai envie de l'ouvrir quand même. Non, je l'ouvre pas. Je vous montrerai ça quand je l'ouvris. Il faut que je me l'efface. J'ai le tome 1, mais pas le tome 2. Du coup, voilà. Pour arranger ça. Hop. Et il me reste plus de masse. Je suis assez près là, non? Un peu trop près. Je me suis pris le tome 1 qui va être lu d'ici quelques temps. Je crois que c'est à partir du 12, je ne sais plus. Lecture commune, Le Soleil de Minuit, le tome 1 de Lily Blabla, Hugo Poche. Voilà, celui-là, il faut que je le laisse en vue parce qu'il doit être lu. Je me suis pris ici. Yo, je suis trop contente. Campus Driver de C.S. Quill. J'ai l'impression qu'il est plus gros que les autres. Les autres, ils sont greniers. Il faudrait que j'aille voir. Mais il est fameux. Pour moi, il est fameux, fameux. Et avec ça, j'avais pris un marque-page spécial. Mais il faut que je... Je l'ai pas encore retiré. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un marquage avec un pompon. Je sais pas si le pompon va faire feu. Je vais me demander à monsieur qui me le retire tantôt. Laissez là. Hop, ça pourra jeter. Bon, du coup, Campus Driver 4. Le 5 sort bientôt aussi. Et alors là, c'est une série complète. Que j'ai trop envie de lire. Par contre, je ne sais plus lequel est le premier, deuxième, troisième. Mais c'est pas grave. Passion désirant. Décisive. Remise en jeu. Ah ouais, je m'en ai pas dit. De. C'était. Robert K. Chiaki. C'est des auto-édités. Faut que je regarde quel est le premier, quel est le deux. Droit au but. La feinte. Ils sont beaux les hommes. Et un entre deux. Voilà. Il y a ça, il faut que je regarde qui est le premier parce que je veux lire un des deux là aussi. Il faut que je fasse choisir monsieur. Je vais faire choisir dans tous ceux que j'ai sortis là. À part les mangas que je vais mettre de côté parce que ça, j'ai liré. Je crois que je vais les lire cette semaine parce qu'à partir de demain. Je suis à l'école faire un stage dans une école pour les enfants. Du coup, je vais peut-être lire ça en rentrant. Ça peut se lire assez vite. Les petits mangas BD. Tout ce qui est manga. Je vais les laisser de vue pour penser à les lire. Voilà. Sur ce, je vous ai tout montré. Je pense que j'ai tout montré. Ben, j'espère. Ah non, je ne vous ai pas montré celui-là. Il semble bien qu'il m'en manque. Il m'en manque. Il y a celui-là. Cette beauté. Par contre, je ne sais pas lire. Best. Températion. Rose. Il est trop beau. Ça. Oh oui, j'ai en train de me l'abîmer. Bon. Ça parle un peu de la bête et la bête. Mais autrement. Voilà. Il me tente aussi beaucoup. Il faut que je change de place. Voilà. Et... Vous n'avez pas vu, mais j'ai un petit loulou qui nous a rejoint pour la fin de cette vidéo. Il joue dans le couloir de ma main. Hein? Tu joues dans le couloir? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bruits bizarres. J'ai ouvert les fenêtres comme je suis rentrée plus tôt. Il est perturbé parce que maman est rentrée plus tôt. De petite maman, elle rentre qu'à 4. C'est un gros loulou. Hein? Oh, c'est un gros loulou ça. Il est grand. Il est plus grand que moi, Fifi. Hein? Alors, bonjour aux abonnés. Oui, je sais. Hop, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire un des livres que vous avez, que vous avez envie de,
que je lise avec vous ou que vous donnez envie de lire. Je suis désolée pour tout ce qui est résumé que je vous ai pas donné, mais n'hésitez pas en barre d'infos de me demander ou aller avec le titre sur BookNote, Livre Addict ou tous ces trucs-là. Voilà, vous les retrouverez avec facilité. Et si vous ne les trouvez pas, dites-le moi, je vous les passerai. Voilà. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais peut-être aller monter ce vlog pour que vous le récupériez vendredi. On est mardi. On est mardi. Je vais vite aller faire ça et comme ça vous l'aurez vendredi. Ce serait une top. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas un pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère de revenir très vite avec une nouvelle vidéo. Logiquement, allez, courage à vous. Jusqu'au 7 juillet, je risque d'être encore un peu absente. Mais après le 7 juillet, je reviens en vlog. On croise les doigts. Peut-être pas la première semaine, mais après je serai là en vlog. Pas de soucis. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve à plus tard. Bisous.